Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est 25 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Poképoint et je ne sais pas c'est le combien, c'est il me semble que c'est le 84e si je me trompe pas. Mais en tout cas bref on s'en fout, c'est celui de novembre 2022 et aujourd'hui on va faire les points mais commençons directement par les chaînes secondaires. La chaîne secondaire eh bien, n'a pas changé sauf pour un petit truc, YouTube a rajouté eh bien, les arrobas qui devront être utiles en début 2023 et donc comme vous pouvez le voir le arrobas Pokémon 5 secondaire est désormais mis. La chaîne X1 n'a pas encore été rename. Le logo est en train d'être fait par moi-même pour le moment et à voir si quelqu'un d'autre va s'en occuper ou pas. Pour le moment en tout cas le travail dessus débute. En tout cas ça c'est sûr. Sinon la team Poképot également le arrobas qui a été mis. 25 abonnés, je crois que ça en a un petit peu augmenté, j'ai un petit doute. En tout cas, la chaîne secondaire, ça n'a pas bougé. Et en termes de vidéos sorties, il y a eu de l'épisode 17 à l'épisode 21 de Battle, donc 5 épisodes ce mois-ci. Et la vidéo mensuelle de Diflix sur Genshin Impact, cette fois-ci, sur une bataille de champignons, comme dans Pokémon, pour ceux qui voudraient regarder la vidéo. Et sinon, j'ai un petit doute, mais il me semble que la chaîne de Luciel avait été rajoutée ici. J'ai un petit doute, mais c'est largement possible. Sinon, sur la chaîne principale, également, comme vous pouvez le voir, le arrobas a été mis. On est à 230 abonnés, ça augmente pas mal avec Pokémon Rabais, du coup, qui stampe pas mal en ce moment. Et en termes de chaînes rajoutées, j'en ai rajouté deux. Je les rajoute petit à petit au. Quand j'y pense tout simplement, j'ai rajouté la chaîne de Zikario qui était absente et sa chaîne secondaire Zika-san qui était, bah du coup, que je ne savais pas qu'il en avait une, mais du coup voilà. En termes de séries en cours, et bien comme vous pouvez le voir, il y en a 4. Ziri Jones, malheureusement, il n'y a pas eu l'épisode sur Pokémon Écarlate et Violet ce mois-ci, tout simplement parce que les sprites, les vrais sprites et pas les sprites du Pokédex du jeu, des sprites classiques quoi, sont extrêmement durs à trouver ou même à ils sont pas tous publics encore, je sais pas qu'est-ce que Pokémon branle là-dessus, mais en tout cas c'est pas encore dispo. Je dois avoir aller à tout péter peut-être aller peut-être 30 un tiers peut-être des sprites des Pokémon, enfin des nouveaux Pokémon avec leur forme alternative etc. Donc il m'en manque encore un bon tiers et j'espère sortir ça avant la fin de l'année. Mais je ne garantis rien, malheureusement du coup ça décale également le dernier épisode de Ziri Jones qui sortira je pense début 2023. Du coup si l'épisode sur la 9G sort avant. Mais du coup voilà pour Ziri Jones, j'en suis désolé. J'ai pas envie de mettre les sprites des fiches Pokédex parce que bah, c'est nul. Et c'est pas ouf pour certains j'ai envie de dire. Hein, les Pokémon un peu OZEF tier ou même les Pokémon un peu classe quoi, bah, ça fera moche quoi. Et du coup voilà pour Ziri Jones. On en parle, ça continue petit à petit, on se rapproche. On entame du coup là la deuxième centaine d'épisodes. Ce que j'ai envie de dire c'est qu'on est dans les épisodes 250 à 300. Donc on se rapproche bientôt des épisodes 300, mais ça sera en 2023. Et je mise sur un. Sur avant l'anniversaire de la chaîne pour qu'on en parle. Donc je dirais peut-être avant mai 2023 et on sera à l'épisode 300. Du coup voilà, on en passe, ça continue petit à petit. Pareil pour Papy Cansing, raconte une histoire, ça continue comme eh bien on en parle. Deux épisodes par semaine comme d'habitude, les jeudis et les dimanches. Voilà, ça ne bouge pas. Et Pokémon World Best saison 4 qui continue également tous les deux jours à heure non fixe. Et qui est la série qui stonks le plus en ce moment et qui stonks le plus la chaîne également en ce moment. Donc j'aurais été quelqu'un qui veut continuer sur ce rythme, j'aurais continué Pokémon World Best saison 4, mais j'ai annoncé qu'il allait avoir 50 épisodes, j'ai prévu 50 épisodes. D'ailleurs les épisodes du mois de décembre ne sont pas encore montés, donc c'est ce que je vais faire juste après. Mais ouais, on se rapproche bientôt de la fin, deuxième semaine de décembre, normalement ça sera la fin de Pokémon World Best saison 4. Et vous allez voir ce qui arrivera à ce moment-là. Sinon, en termes de généralité, YouTube a changé ça. Maintenant, c'est plus dernière vidéo mise en ligne ou vidéo mise en ligne, c'est juste vidéo. Pourquoi pas, j'ai envie de dire.
Ça, il me semble que ça a été fait le mois dernier, sinon, bah, tu vois. Les chaînes, je vous ai présenté le tout. Et les vidéos qui sont sorties ce mois, j'ai préparé ça. Et vu que depuis 3 mois, je crois, 2 mois, 2 mois sur peut-être 3, je sais plus, il y a beaucoup de vidéos qui sortent. Donc, forcément, là, il y a beaucoup de trucs. Après, on a eu le YouTube qui a également changé son design. Là, c'est plus 5 vidéos, c'est 4. C'est pas ouf ouf, mais bon, on fait avec. Alors, où est le Pokémon du mois dernier? Voilà. Alors, du coup, ce mois-ci, il y a eu quoi? Ah, il y a eu, on en parle, Pokémon Best. Également, il y a eu l'intro et la compilation du Hunger Games Poképot saison 5, qui du coup était prévu comme dit. Du coup, bah, il y a eu la saison 3 et 4 en octobre. Et la saison 5 en novembre, et du coup c'était la dernière chose que j'avais teasé, il me semble que du début d'année, et qui était sûr de sortir. Sinon il y a eu l'intro forcément, la vidéo règle et le tournoi de Poképot 10 en général, que je vous conseille de regarder, c'est une assez bonne saison en général. Est-ce que c'est la meilleure saison? Pas du tout, mais c'est une bonne saison dans l'ensemble. Et sinon qu'est-ce qu'il y a eu de plus, à part des vidéos qui semblent, voilà, un quart, comme vous avez pu le voir. Où, voilà, 98 ça fait plaisir. Il y a eu quoi également? 77 pour l'épisode sur Sonia, 1,3K pour l'épisode sur Flamido, la Pyro et Pyrobus. On voit que certains types de contenu Pokémon stonks pas mal, hein. Pyrobus est un Pokémon qui stonks pas mal en termes de vues, donc peut-être qu'il y aura d'autres épisodes sur ça. Voilà, les mêmes également, ça fait pas mal de vues. J'aurais jamais cru que ces épisodes d'Inazuma, enfin de on en parle sur Inazuma Eleven Outer Code, fassent autant de vues quand même malgré tout. Donc je suis content que la vidéo plaît à ce point. Et sinon, bah, il n'y a eu que des trucs classiques, hein, les séries en cours, le TP, et c'est tout, il n'y a rien eu de plus. Enfin, rien de plus, c'est déjà pas mal, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, désormais passer sur Discord et sur les mises à jour qu'il a pu avoir sur le serveur principal et sur le serveur Poképot Games. Et voici les nouveautés qu'il y a sur Discord avec, du coup, il y a eu une mise à jour mineure et une mise à jour majeure, on peut dire, si on compte les x.x.1 comme des mineurs. Ce mois-ci, ça a été plutôt calme. J'ai été occupé par d'autres trucs. J'ai été pris par des problèmes personnels également, dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Donc, ça a été plutôt calme. Et du fait que bah, il y a eu plusieurs mauvaises nouvelles qui sont accumulées. Donc voilà. Du coup, il y a eu tout d'abord en début de mois la 1.128.1 qui aura juste modifié dans la Hype Squad RP dans le système de moyen de perdre ses points du fait de quitter le serveur qui passe désormais à moins 15 au lieu de moins 20. Moins 20 c'était un peu abusé donc j'ai baissé un petit peu à moins 15. Et vers la fin du mois. Est sorti la 1.129 qui ajoutait un nouveau bot, Rinbot, avec du coup toute sa config, l'ajout de site et des commandes dans le Sound Headzone, qui est un bot spécial animé manga dans lequel on peut jouer avec et principalement on devine, on nous présente un personnage par exemple et on doit deviner bien à quel animé ça appartient ou le nom du personnage, etc. C'est un bot assez intéressant que j'ai assez peu vu et que j'ai préféré ajouter également sur le bon serveur comme ça. Peut-être qu'à un moment, ça amusera des personnes qui pourront jouer avec. Wakima qui a rejoint le staff animation et un nouveau salon, le salon Birthday Room, concept par Arsène Lupin, du coup, qui a eu une assez bonne idée. Et du coup, je l'ai ajouté et donc voilà un petit salon en plus. Niveau modif, il y a eu le surnom du bot Koya qui désormais ne s'appelle plus Hilo. Bah, du coup, la référence est désormais partie. J'hésitais à le faire depuis longtemps et je me dis bon bah c'est le moment donc autant le faire. Mise à jour des docs des rôles du serveur et de la liste ça, bon ça avec ce qu'il y a eu c'est du classique. Et l'archivage du salon vaut défi Z-Event qui devait se faire il y a un moment et du coup par flemme n'arrive que maintenant. Et le rôle bonus secrétaire a été supprimé. Sinon on va passer directement sur Pokémon Games, pas besoin de faire une séquence en plus. Il n'y a pas eu de mise à jour. Mais il y a eu un teasing et je vais vous le présenter. Les guildes arriveront au mois de décembre. Et ceux qui se demandent ce que c'est qu'une guilde, c'est en résumé ce qui arrivera des équipes que les membres du serveur pourront créer
pour tenter d'être la meilleure équipe possible. Il y aura peut-être un système de points, ça reste à voir. Et donc voilà, on va terminer le Poképan sur YouTube tout simplement. Et bien voilà, j'espère que ce Poképan vous aura plu. Niveau teasing, qu'est-ce que je pourrais vous annoncer pour le dernier mois de l'année? Il va y avoir le Hunger Games Pokémon Reborn saison 5 qui a été annoncé. Et sinon, c'est tout. Il va y avoir la fin de quelques séries. Une série va se terminer du coup au mois de décembre. Ça, c'est pas besoin d'être Einstein pour comprendre lequel. Et si vous ne savez pas, bah, vous le verrez bien tout simplement. Et il y aura quelques vidéos par-ci par-là, un peu du one-shot. Comme la vidéo qui sortira samedi, je vous laisserai voir ça. Et si vous voulez savoir ce que c'est, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord qui est en description. Et il y en aura une autre sur le tome de Marvel. Et sinon, bah, je pense que c'est tout. Vous allez bien voir de toute façon qu'est-ce qui sortira pour la fin de l'année. J'ai pas prévu grand-chose en soi de énorme. Et donc voilà, j'espère que ce Pokémon vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, activer la cloche, à mettre un commentaire, et bien ce qui vous a plu, pardon, durant ce mois-ci. Et petite anecdote, j'enregistre et bien la partie Discord et la partie fin du Pokémon avant même d'avoir record le début. Ouais, mais il est 13h40 et je dois attendre 14h pour record le début. Pour bien avoir la partie avec du coup la fin de l'épisode du TP qui est sorti, mais ça, seuls ceux qui seront restés à la fin de la vidéo pourront le savoir. Allez, je vais vous dire enjoy.